Allez, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Alors, je vais me régaler. Parce que je l'ai vu hier soir. Je me suis fait tous mes plans dans ma tête. Je me suis dit, mais ça va plaire à Jérôme. Et en plus, ça va me plaire à moi. Parce que c'est un truc, comme c'est tout petit, ça va me mettre dans mon portefeuille. Et ça, j'adore. Alors, c'est vrai que ça me plaît, les cartes USP. Et en plus, ce principe-là, tu le connais pas. D'accord. Du moins, je pense. Vu que je le connais pas. Hein. Alors, regarde, c'est simple. Je vais te donner l'énoncé. Et au moins, je vais tout dire. Tu vas penser un chiffre dans ta tête. Ok. Et tu as le choix entre 10 et 20, 30, 40, 50, 100, comme tu veux, 2000. Celui que tu veux. Tu es d'accord avec moi qu'en partant de là, le choix, il est libre. Hein. Je suis entièrement d'accord. J'ai dit 10, c'est pour pas dire entre 1 et 1000, et tu vas dire 3, et c'est trop simple comme okay. Ça. Déjà, en disant 10, on est déjà loin, et on peut commencer. D'accord. Ensuite, tu vas compter les cartes pour tomber sur une carte. Ok. Donc, tu vas mettre ton doigt où tu veux. Tiens, on aurait pu dire ou là, et bien tu mets le doigt où tu veux. Ok. Tu choisiras la carte où tu vas commencer. Donc, tu mettras ton doigt dessus. D'accord. Tu vas commencer à compter. Okay. Par exemple, si tu arrives là, arrivé ici, tu reviens en arrière. D'accord. Et ainsi de suite. D'accord. Donc, tu fais pas comme ça. J'ai compris. C'est pas une embrouille, mais. Non, mais c'est plus simple, au moins, tu arrives 12, 13, 14, 15, 16, sur n'importe quelle carte. D'accord. Donc là aussi, tu peux tomber en plus sur n'importe quelle carte parce que tu choisis ton chiffre. Ah, je suis entièrement d'accord. Tu choisis l'emplacement où tu vas démarrer. Et qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, la carte que tu vas tomber dessus à la fin, n'importe, on s'en fout, tu la mettras de côté. D'accord. Ça sera un intrus. Ok. Parce que, je t'explique. Il y a un intrus parmi ceux-là. Et là, à l'œil nu, on ne la voit pas. Et c'est parce que c'est dessous les cartes qu'on verra l'intrus qui est vraiment un intrus. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien caché dans ma poche ou le tapis. Tout sera là. D'accord. Mais à l'écart. Donc tu comptes, tu démarres où tu veux. Tu comptes, tu t'arrêtes, tu mets la carte de côté. Et on regardera dessous parce que dessous, il y a d'autres choses. Et ça sera, tu auras la révélation de l'intrus qui est vraiment un intrus. Ok. Net. Je peux pas rien dire d'autre. C'est tout à fait. Et c'est pas en fonction de ce que tu vas me dire que je vais faire que tu fais comme je t'ai dit, tu démarres et c'est parti. D'accord. Donc déjà ton chiffre. Bah c'est vrai que c'est honnête, j'allais dire. C'est honnête. Si je compte 3 et je pars d'ici, je tombe sur ça, alors que si je pars de là, je tombe sur ça. Oui, c'est honnête. Allez. Je choisis. J'espère donc que tu vas tomber sur l'intrus parce que je pense que c'est le but du tour. Que tu tombes sur l'intrus. S'il faut que je les compte une par une, je vais effectivement pas choisir 2000 parce que autrement on n'a pas fini. Mais allez, 13. 13 et tu démarres de où? Et je démarre. Tu mets le de... doigt, vas-y, le doigt. Je démarre, tiens, du centre. Allez, c'est parti. Tu peux partir dans ce sens ou dans ce sens? Ouais, ok. Donc. Je compte 13. Ouais, allez. 1, 2, là je refais ça donc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok ? C'est honnête ? Ah ben c'est j'ai bien dit, tu mets le doigt et tiens. Ah non, mais tout à fait honnête. Là je me rends bien compte que si j'avais dit. Et en plus, je te dis par là ou par là. Ok. Donc tu aurais pu tomber sur celle-là ou sur celle-là, en fonction de si tu avais démarré de là. Ah, un, je suis deux, là, trois, entièrement d'accord. Ou tu pars, toi, tu as choisi de là et tu as fait 1. Tout à fait. Mais tu aurais pu faire 1. Oui. Ou tu es parti de là et tu as fait 1. Non, mais tu as choisi là. Je suis entièrement mais d'accord. Mais là. Il n'y a pas de. Jusqu'à là, il n'y a pas de triche. Tu as vu comme je suis. Ou si on a une, elle est bien faite. Elle est bien faite parce que tu vois. Alors, regarde bien. Là, il y a une croix bleue. Mmh. Et de l'autre côté, il y a une croix noire. D'accord. Alors qu'ici, il y a un rond et une vague. Ok. Ici, il y a une vague et un rond. Et un rond. Donc, c'est la seule carte qui est identique ici, alors que les autres, non. Regarde. Et en plus, on voit bien qu'il y a un intrus, parce que là, il y a une croix. Oui, alors qu'ici, il y a un rond, j'ai bien compris. Tu vois, regarde, c'était la seule avec une carte différente. Très bien. Différent. Et là... Pas différent, la même. Une croix. Bon, la couleur change, mais une croix. Alors que là, rond. On voit très nettement l'intrus. Très joli. Alors, carte
PVC plastifié, donc elles s'useront jamais. Je te laisse réfléchir, je vais amener la caméra devant les cartes. Ben, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Non, mais tu peux commencer d'où tu veux. Tu peux choisir le chiffre que tu veux. Non, mais c'est vraiment très bon. Hein. Je fais pas le... Tu fais pas le comédien. Je fais pas, tu sais le, pas le comédien. En PVC. De toute façon... comme... Forcément, si j'étais tombé sur une autre... Le problème, c'est forcément, que t'aurais dit autre chose. Non. Et je t'explique. Et c'est, pour moi, c'est impossible. Mais je t'explique. Je le dis depuis le début. Ce que je vais faire parce maintenant... Parce qu'effectivement, t'as raison. J'aurais pu très bien m'arrêter là. Alors, tu te seras arrêté là, ça marchait pas. On le voit dessus. Je sais pas, t'as quoi comme une vague? Ah, j'ai pas vu des vagues là tout à l'heure. Alors, t'as que deux vagues. T'as deux vagues. T'as un seul carré. Ah oui, t'as que deux vagues. Un seul, ouais, avec deux vagues, on peut rien faire d'autre. Oui, c'est ça que j'essaie d'imaginer. T'as qu'un seul carré, une seule étoile. Ouais, c'est sûr que c'est très fort. De toute façon, quand on voit ça, on se dit, il n'y a pas de solution. On était obligé de faire ça. Tout à fait, mais pourquoi? On n'aurait pas pu faire ça. Je suis d'accord. Et ce qui est bien, c'est que tu choisis le chiffre. Tu démarres de à droite ou à gauche. C'est toi qui compte, c'est toi qui choisis, c'est toi qui démarres, c'est toi qui fait tout. Et quoi qu'il arrive, on mettra la carte à l'écart. Maintenant, si je veux te le refaire, je vais mettre celle-là autre part. Et je ne sais pas pourquoi, tu vas retomber dessus. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Et pourtant, ça paraît impossible. Et pourtant, c'est comme ça qu'il va se passer. C'est-à-dire, ce n'est pas en fonction de ce que tu vas choisir et faire que je vais changer ma façon de parler. Depuis le début, c'est comme ça. Tu rajouterais pas une enveloppe, parce que c'est sûr que là, ça paraît, entre guillemets, la sortie la plus... C'est un miracle, entre guillemets. Mais ça sera comme ça tout le temps. C'est un miracle, puisque effectivement, tout est là. Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Ta rond-croix va carré étoile d'un côté. Moi, non, c'est bien. Moi, j'ai bravo à ceux qui inventent. Non, non, c'est franchement, franchement joli. PVC, ça suce pas. PVC, c'est PVC ça? Je sais pas comment on appelle ça, oui. PVC, hein. C'est du PVC. Tu me l'as fait pousser. Non, mais comme je t'ai fait faire exactement ce que je t'ai dit dans l'énoncé, et comme je t'ai dit, tu poses ton doigt et tu vas de droite ou à gauche, tu choisis toi l'endroit, tu choisis le chiffre. Tu aurais pu dire 2000, on serait encore en train de compter, et tu aurais pu tomber mais là. Mais c'est ce que là, j'étais là, en train de faire là, de recompter. C'est sûr que j'ai fait 13 et je suis parti d'un autre endroit. Ah oui, de toute façon, de toute manière. C'est, même si ça paraît embrouillé de partir comme ça, mais non, j'aurais pu... Imagine, on compte 5. 1, 2, 3, 4, 5, tu comptes 6, 7, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, bon, c'est un miracle. On s'en fout, tu, comptes, 1, 2, 3, tu vas 4, que 5, avec 5, 7, c'est pareil. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, là, c'est un miracle. Mais si j'étais parti d'ici, 1, 2, 13, c'était ici. Si forcément j'avais dit une de plus, c'était là. Ah non, mais tu comptes qu'avec 5. Si tu démarres de là, tu dis 5, tu tombes là. Ou là. Oui, oui, non, mais c'était le fait si de tu revenir. De là, tu... Le fait de revenir. Non, c'est bien, très très bon. J'ai ou un truc qui m'échappe. ou... Là, si tu sors comme ça tout le temps, oui, effectivement. J'arrive pas à voir. Là. Le but, c'est que je te mette un intrus et que tu tombes dessus. Oui, oui. Et il faut le voir deux fois. Infaillible, tu tomberas sur l'intrus. Et pourtant, je ne changerai pas mes paroles. Tu dis, tu fais tout seul et c'est parti et tu tomberas sur l'intrus. Si tu me le reçois une deuxième fois, est-ce que je capte ou pas? Ben, il faudrait que je mélange. Oui, mais bon, je veux dire, s'il y a toujours la croix visible et que je retombe dessus, je vais tout faire pour compter et pas tomber dessus. Non, parce que moi, je vais mélanger. Je pourrais te dire, ferme les yeux. Tu choisis ton chiffre, tu me dis à quel endroit tu vas démarrer, moi je touche rien. D'accord. Alors regarde, choisis ton chiffre, c'est bon? Ouais. Tu choisis à quel emplacement tu vas démarrer? Ouais. Voilà, et c'est parti. Voilà. On fait comme ça, voilà. N'importe. Ok, ils sont pas pareils que tout à l'heure. On peut faire ça, je m'en fous. Et oui, pourtant, de toute façon, je sais rien, de toute manière. Je sais rien. Et ça va marcher. Et oui. D'accord. C'est ça qui est bon. Bah, c'est bien. Laisse-moi réfléchir. Allez, laisse-moi Allez, réfléchir. À bientôt. On va faire l'explication en français.
Vas-y, réfléchis, mmh. Tiens. Tu vois, on est toujours épaté par un plus petit que ça. Et si tu ressens rien d'autre derrière, c'est beau. C'est toujours comme ça, c'est toujours si pareil. Si tu me prouves que c'est vraiment ça. Prouver, jurer. Jurer, cracher. Ouais, de toute façon, il n'y a que 4 ronds, donc qu'est-ce que tu veux aller chercher de plus? Bien.